Las Vegas, c'est la capitale mondiale de la fête. Ici, 360 jours par an, c'est jolies filles, casinos et excès en tout genre. Mais 4 jours chaque année, en janvier, Sin City change de visage et pourrait être rebaptisé Electronic City. Durant ces quelques jours, la ville accueille le CES, le Consumer Electronic Show, le plus grand salon au monde dédié aux nouvelles technologies. Et ce n'est pas tellement par hasard. Bâti au milieu du désert, Las Vegas n'aurait jamais eu le visage qu'on lui connaît sans technologie. Gonzague, le nouveau Game One reporter, a traversé l'Atlantique et le continent américain pour découvrir le CES. C'est un habitué des nouvelles techno, son blog est lu chaque mois par 65 000 personnes. Ça y est, nous voilà à Las Vegas après 14 heures d'avion. Mais pas le temps d'aller se coucher. Avec la nuit, la ville a revêtu ses habits de lumière, en particulier sur le Strip, la plus célèbre avenue de Las Vegas. Depuis une quarantaine d'années, ce long boulevard bordé d'hôtels et de casinos est le centre névralgique de la ville. Pour attirer les touristes, les resorts rivalisent d'excentricité. À grand renfort de technologie, la plupart d'entre eux créent des attractions plus hallucinantes les unes que les autres. Dans cet hôtel, on a recréé des bateaux pirates. Et ici, un volcan entre carrément en éruption trois fois chaque soir. Mais une des plus célèbres attractions a été créée il y a une douzaine d'années, juste un peu plus haut sur le Strip. Devinez où on est ce soir.